L'actualité à la une ce soir. Les jeunes politiques maliens étaient les meilleurs au concours de renforcement de capacité de jeunes leaders en politique. Ils sont arrivés premiers devant le Niger. Le Burkina est classé troisième. Leur exposé a convaincu le jury de l'Institut général Tiémoko Margarango qui a organisé le projet. Ce sont là les résultats nets du continuum. Le recrutement des enseignants ne suit pas toujours l'ouverture des collèges. La conséquence se trouve à Abanga où le directeur du CEG enseigne à lui seul presque toutes les matières. Nous avons rendu visite à l'école, images et témoignages. Et puis, un spectacle rend hommage à la jeunesse. Combibi, c'est une création de la compagnie Irène Tassambedo. Il a été présenté vendredi à la 4e édition du Festival de danse de Ouagadougou. La créatrice est l'invitée du journal. Bonsoir. Bonsoir. On revient à vous tout à l'heure. Bonsoir à tous. Et merci de suivre le 20h de la télévision du Burkina. On vous en parlait hier. L'Australienne enlevée le 15 janvier dernier a été libérée. Cette libération aurait été possible grâce aux autorités nigériennes et burkinabées. Jocelyne Elior serait en sécurité au Niger. Elle devrait arriver demain à l'aéroport international de Ouagadougou aux environs de 9h selon le ministère des Affaires étrangères. Son mari, lui, est toujours retenu par le groupe Al-Qaïda au Maghreb islamique. Le Mali a remporté le premier prix du concours du programme de renforcement de capacité des jeunes leaders en politique. C'est un programme de l'Institut général Tiémoko Margarango. C'était au cours d'une conférence régionale sur la charte régionale co-organisée avec la Fondation internationale de parti du centre sud-ouest, Oumou Cissé. Le Mali est le grand gagnant du concours PIPA, le programme de renforcement de capacité des jeunes leaders en politique. Et ce sont les jeunes de l'Union pour la République et la démocratie, URD, parti malien de l'opposition qui rafle le premier prix devant le PNDS du Niger, l'ADF RDA du Burkina Faso. C'était à la clôture de la conférence régionale sur la charte africaine de la jeunesse. J'éprouve des sentiments de joie, mais aussi un sentiment de fierté, parce que quand on est primé, ça veut dire quand même qu'on a mis de son sérieux pour faire un travail. La charte africaine de la jeunesse a été adoptée en 2008 et le Burkina Faso est le 11e pays à l'avoir ratifiée. La charte a servi de viatique pour l'élaboration de la politique nationale de jeunesse. Laquelle politique nationale de jeunesse nous allons bientôt relire pour l'adapter au nouveau contexte. Nous sommes obligés de relire cette politique nationale pour l'adapter aux légitimes aspirations et aux attentes fortes de notre jeunesse. Le programme PIPA a été lancé en 2012. Il donne l'opportunité aux jeunes Africains d'améliorer leur participation et leur influence dans la politique et dans la société, dans le sens de la consolidation de la démocratie et des droits humains. Rôle et place de la jeunesse, justement, dans le développement communal, c'était le thème d'une conférence publique à Bobo-Dioulasso. L'initiative pour la relance socio-économique de la ville de Sia est à l'origine. Pour eux, la jeunesse doit être au cœur de tout processus de développement. Après l'insurrection, cette conférence lance une série d'activités sur place. Christine Koulibaly. Moins de 30% des potentialités de la commune de Bobo-Dioulasso sont aujourd'hui exploitées, selon le conférencier. De ces potentialités sous-exploitées, la jeunesse. Une jeunesse que l'initiative pour la relance socio-économique de la ville de Bobo-Dioulasso veut mettre au cœur de tout processus de développement. Et impliquer cette jeunesse au niveau des collectivités, ça ne peut passer que par la dynamisation de leur organisation. Donc il faut que ces organisations soient assez structurées, assez représentatives et aussi que ces organisations puissent valoriser ce potentiel qu'ils ont. Cette valorisation passe nécessairement par l'engagement et la responsabilisation de la jeunesse. Une jeunesse qui s'est dit abandonnée, une jeunesse qui s'est dit oubliée, est une jeunesse déprimée, c'est une jeunesse qui ne s'engage pas. Ou du moins, lorsqu'elle veut s'engager, elle est prête à détruire, elle est prête à casser. Nous voulons aujourd'hui que la jeunesse sache qu'elle a une force. Et c'est cette prise de conscience qui peut permettre à ce que la jeunesse s'engage résolument pour le développement.
Pour une réelle relance du développement socio-économique de la commune, l'initiative entend conduire un diagnostic participatif dans les 7 arrondissements afin de déceler les vrais problèmes de développement et recueillir les propositions de solutions. Des éléments qui seront mis à la disposition des futures autorités communales. Ce n'est pas encore la canicule, mais le centre-ville de Ouagadougou peine à avoir de l'eau potable. Baisse de pression pour les plus chanceux, coupure chez d'autres. La situation se dégrade de jour en jour dans la capitale burkinabé et dans le quartier Rimkienta, Adama Guiti, Olopoda. La famille Drabo a de la chance, l'eau coule de son robinet tous les jours, même si la pression baisse souvent. On ne connaît pas une coupure d'eau ici, mais il arrive souvent que la pression baisse. À quelques 200 mètres de là, c'est une autre situation, un autre monde. Les habitants de la cité de Rimkita font face à une pénurie d'eau. Dans cette zone viabilisée et raccordée au réseau de l'ONEA, les riverains passent la moitié de la nuit devant leur robinet à attendre l'eau. Dans ce quartier, partout c'est comme ça. Il faut te lever à 10h du matin pour rester au dehors, avoir de l'eau. À partir de 6h, 5h30 même, tu te lèves, tu ne peux pas avoir de l'eau. On a passé presque une journée entière sans avoir l'eau. Donc on était obligé d'aller payer les sachets d'eau qu'on vend dans les boutiques là pour venir faire la cuisine et puis en profiter même se rincer. Baisse de pression, voire des coupures totales d'eau, surtout dans les quartiers périphériques et dans les quartiers situés en hauteur en termes topographiques, c'est la situation que vivent au quotidien de nombreux Ouagalais. Et les facteurs explicatifs de ce déficit sont entre autres l'expansion spatiale de la ville de Ouagadougou et la forte augmentation de la demande en eau. Actuellement, les besoins en eau de la population sont largement au-dessus de nos capacités de production. Et c'est ce qui explique que, en temps normal, et comme en temps de forte canicule, on enregistre effectivement des coupures plus ou moins graves dans les différents quartiers. Et effectivement, même au jour d'aujourd'hui, il y a des quartiers qui connaissent des coupures, même si la gravité est moindre que pendant la période de canicule. Pour s'approvisionner en eau potable, les femmes, pour la plupart, sont souvent obligées de se rendre devant ces pompes. La rareté de cette source de vie fait grimper les prix de vente chez certains revendeurs. Sans coupure, la barrique d'ordinaire, c'est 200 francs. Mais maintenant, quand il y a coupure d'eau comme ça, il n'y a pas d'eau, il peut aller à 300, 500. Parfois même jusqu'à 1000 francs. Et il m'arrive souvent d'aller très loin chercher de l'eau pour venir laver les engins. Et là, les clients perdent patience et repartent. Et cela ne m'arrange pas du tout. Conscient des désagréments que le manque d'eau occasionne, le gouvernement a engagé des actions à court et moyen terme pour améliorer l'accès des populations à l'eau potable. Nous mettons en place un suivi quotidien à travers donc l'organisation d'une distribution par zone pour permettre en fait que même les zones les plus défavorisées, en fait ces zones c'est des quartiers périphériques, c'est les zones qui sont un peu en élévation du point de vue topographique, pour faire en sorte que ces zones également puissent, pendant une certaine période de la journée, puissent avoir de l'eau. Entre contraintes et défis, la Nationale de l'eau prévoit mettre fin aux coupures d'eau en 2017 avec le projet Ziga 2 qui est en cours de réalisation. En attendant, l'ONEA invite les populations à avoir des réflexes d'économie d'eau et de bonne gestion des réserves d'eau. Le traitement des déchets biomédicaux reste aussi un casse-tête pour les structures sanitaires. Grand producteur, l'hôpital Yalgado Ouédraogo peine à les gérer. L'incinérateur en panne, ces déchets à risque sont traités de façon artisanale par un prestataire privé. Paul David Bambara, Nyarkiteda. Les ordures de ce genre, l'hôpital Yalgado produit chaque heure. Ce sont des déchets biomédicaux. Par leur nature, il présente des dangers pour le personnel soignant ainsi que tous ceux qui fréquentent l'hôpital. Quand on parle de déchets hospitaliers ou déchets biomédicaux, on peut avoir des déchets à risque infectieux
et des déchets à risque non infectieux. Et à côté de ça, nous avons les déchets de soins à risque infectieux. Ça, leur spécificité, comme on l'a dit, à risque infectieux, ce sont des déchets qui, par leur nature, peuvent provoquer des maladies ou d'autres nuisances. Au regard de leur caractère dangereux, ces déchets doivent être traités de façon spécifique et avec diligence. Les déchets à risque infectieux sont produits dans les services cliniques et médico-techniques. Et pour différencier ces déchets à risque des déchets ménagers, assimilables aux ordures ménagères, il y a un code couleur qui a été arrêté au niveau national et international. Quand on prend les sachets ou les récipients noirs, c'est pour recevoir les déchets assimilables aux ordures ménagères. Les sachets de couleur jaune, c'est pour recevoir les déchets à risque infectieux. Et les sachets de couleur rouge, c'est pour recevoir les produits toxiques comme les produits périmés de laboratoire et de pharmacie. Donc on appelle ça les déchets à haut risque infectieux. Des poubelles sont dressées pour récolter les produits dans les services et hors des services. Chaque fuite avec sa nature de déchet, tout doit être enlevé chaque fois et traité pour éviter toute nuisance. Chaque jour, et ces déchets sont enlevés quotidiennement dans tous les services. Et au niveau des urgences, comme la production est un peu intense, c'est à ce niveau le rythme d'enlèvement, c'est deux fois par jour. Et ces déchets sont stockés en fonction de leur provenance. Que si ce sont les déchets assimilables aux ordures ménagères, c'est stocké dans un bac aménagé pour ça. Et si ce sont les déchets à risque infectieux, ça c'est stocké devant l'incinérateur. Et ces déchets doivent être incinérés avant d'être enlevés. Malheureusement, à Yalgado, il y a problème. Tous les déchets sont stockés ici. Le seul incinérateur est hors d'usage depuis 3 ans. À force de surexploiter l'incinérateur, rapidement, c'est tombé en panne. Et c'est bon, donc nous, on est là sans incinérateur. Le CHU Yalgado produit 180 kg jour uniquement pour les déchets biomédicaux à risque infectieux et pourrait même aller au-delà. C'est désormais donc un défi majeur à relever pour l'hôpital national de référence. Notre ambition, c'est effectivement d'avoir vraiment un vrai incinérateur moderne. En tout cas, nous avons élaboré notre plan de gestion des déchets biomédicaux qui comporte les différentes actions, ce qu'il faut en termes d'équipement, en termes de ressources humaines, etc., etc. Il faut le faire, car les déchets biomédicaux doivent être traités avec soin. En attendant, l'enlèvement et le traitement sont confiés à un prestataire privé qui utilise les moyens traditionnels pour les incinérer à quelques encablures de la ville de Ouagadougou une fois dans la semaine. Des difficultés, on les note aussi dans le secteur de l'éducation où l'on enregistre un déficit d'enseignants. Dans le CG d'Abanga, à 40 km de Séba, dans la région du Sahel, il n'y a qu'un seul, le directeur, qui dispense 4 matières pour pallier le manque. Adama Guiti, Bouma Ernest Nebié. Le collège d'enseignement général de Abanga a ouvert ses portes en 2015 dans le cadre de la mise en œuvre du continuum éducatif et depuis lors, cet établissement situé à une quarantaine de kilomètres de Séba, chef-lieu de la province du Yaga, manque de tout. Pas d'enseignant titulaire, le directeur est seul. Pour le moment, je suis le seul enseignant titulaire qu'on a affecté ici. Pour le moment, on est là, on n'a pas reçu des affectations en matière d'enseignants. L'établissement compte pour le moment 2 classes, à savoir la 6e et la 5e. Près de 7 matières y sont enseignées et le directeur, pour pallier le manque d'enseignants à sa manière, enseigne presque toutes ces matières. Professeur d'histoire, professeur de géographie, de français, Diallo Yemboadou, est également professeur d'anglais par la force des choses. C'est avec les petites connaissances que j'ai reçues depuis le lycée. Voilà. Et puis bon, la première année à l'université, on a eu à faire l'anglais. C'est avec ce peu-là que j'essaie de joser pour donner les petits éléments aux enfants. Pour les cours de mathématiques, il s'attache les services d'un professeur de Solhan, une commune rurale située à une vingtaine de kilomètres de Abanga. J'interviens au CG de Abanga. On ne m'a pas affecté ici. Donc on m'a demandé d'intervenir sous forme de vacation.
un manque d'enseignants qui n'est pas sans conséquence sur la qualité de l'éducation dans cet établissement. La plus forte moyenne dans la classe de 5e est de 10. Les élèves eux-mêmes, on n'arrive pas à les satisfaire comme il le faut. Et puisque chaque fois, bon, ils chôment ici, ils font les cours ici, demain ils n'ont pas cours. Je suis obligé de courir de gauche à droite. Et moi, en tant que directeur, il y a des moments, ce n'est pas du tout facile. Pour résoudre ce manque d'enseignants, le directeur dit avoir introduit à plusieurs reprises auprès de sa hiérarchie une requête et est toujours dans l'attente. Et voilà comment sa hiérarchie explique le manque d'enseignants dans son établissement. Comment cela s'explique ? C'est parce que pour le moment, l'État n'a pas pu, en tout cas, pourvoir tous ces établissements-là en enseignants nécessaires. Mais je pense que incessamment, ça sera fait. Tous les besoins nécessaires sont compilés et envoyés à la hiérarchie régionale. Nous ne pouvons que faire ça en attendant. Il n'y a pas que les enseignants qui manquent dans ce CIG. Le collège n'a pas suffisamment de table-banc. Ce dispositif pour pallier le manque. Oui, depuis l'année passée, on est venu construire l'école, mais il n'y a rien comme équipement. Donc, souvent on part payer des planches depuis Puitenga pour venir confectionner des table-bancs. Les élèves, vous l'avez constaté dans les classes. Les manuels scolaires, les bureaux pour les enseignants et les surveillants font aussi défaut. Le manque de logement est aussi crucial. Ce bâtiment qui devrait abriter seulement les bureaux de l'administration est devenu le logement du directeur. Selon le directeur provincial de l'éducation nationale et de l'alphabétisation de Yaga, presque tous les établissements de la province vivent les mêmes réalités. Et il appartient à chaque directeur, ajoute-t-il, de libérer son génie créateur pour faire fonctionner son établissement en attendant qu'une solution définitive soit trouvée. Vivement que la solution se trouve, sinon dans la commune de Wessa, dans le sud-ouest, le problème d'enseignants est moins remarqué. Mais les établissements ont besoin de moyens financiers pour continuer l'enseignement du balafon au primaire. Le cours se donne depuis 2010 dans 28 écoles primaires publiques de la localité. L'activité périscolaire présente un bilan mitigé, faute de moyens. Sidi Larehien, Dramandadia. Issu d'une famille de balafonistes, Kevin Sommé fait danser ses camarades. Nous sommes à l'école de Langley, dans la circonscription d'éducation de base de Wessa, où le balafon d'Agara est en expérimentation à l'école primaire depuis décembre 2010. Nous nous organisons à travers notre emploi de temps, jouer, entraîner nos enfants. Bon, je pense que les deux choses vont ensemble, l'éducation et la culture. On dit que c'est source de développement. Donc, pour ce faire, donc, nous, à travers nous, les directives au niveau du MENA, nous avons jugé bon de les associer à nos activités. Pour apprendre aux scolaires à esquisser ses pas de danse, toutes les 28 écoles primaires publiques de la commune de Wessa ont été dotées de balafons. Et près de 2 heures sont consacrées par semaine à l'apprentissage des fondamentaux de ce xylophone, le balafon étant l'instrument de musique par excellence en pays d'Agara. Mais cette initiative de la municipalité a pris un coup courant l'année scolaire 2014-2015 sous la transition. Du fait qu'il n'y a pas de conseils municipaux, par conséquent, ces cogestes également. Et il n'y a pas de représentant typique comme ça demain, bon, ça fait que ça piétine plus ou moins. Conséquence, la majorité des écoles de la commune de Wessa ont dû surseoir à ce projet d'initiation des élèves au balafon par faute de soutien financier pour galvaniser l'équipe d'encadrement, en particulier les formateurs. Ne disposant pas d'enseignants techniquement formés pour encadrer les enfants, et on était obligé de concert avec les APE et les COGES dans les écoles de faire recours à des personnes de ressources. Malheureusement, les moyens faisant défaut, bon, ces personnes de ressources à un certain moment étaient obligées vraiment de nous abandonner.
à travers cette activité donc humaine, c'est du bénévolat. Ils accompagnent les enfants, mais la difficulté, c'est qu'on ne les accompagne pas avec les choses, surtout le carburant qu'ils utilisent pour venir, en tout cas, entraîner les enfants. Nawin Yele, le maître balafoniste, va-t-il aussi jeter l'éponge au moment où ses élèves sont manifestement intéressés à la chose culturelle? En plus de ces conditions d'études difficiles, ces élèves devront s'habituer au changement de mots décidé par l'Académie française. La réforme devient obligatoire à partir de la rentrée prochaine dans les manuels scolaires. Les accents circonflexes, les traits d'union vont disparaître dans certains cas. Paul David Bambara, Munira Kiri. La langue française évolue. Ne vous étonnez pas de lire dans certains manuels scolaires, surtout les plus récents, le mot « oignon » sans le « i », le mot « nénuphar » sans le « ph », le mot « week-end » sans son trait d'union ou même le mot « maîtresse » sans son accent circonflexe. La révision orthographique de l'Académie française devient obligatoire pour ce qui concerne les manuels scolaires. En tout, 2400 mots sont rectifiés dans le but de simplifier la langue et de supprimer certaines incohérences. L'objet de ces rectifications n'est pas de remplacer les graphies qui existent, mais de proposer d'autres possibilités orthographiques qui sont censées être plus simples. Cette réforme orthographique ne date pas d'aujourd'hui. Elle est en vigueur depuis son adoption en 1990. Et selon le grammairien Youssouf Ouédraogo, elle s'impose à tout l'univers francophone. L'Académie française est l'instance suprême chargée d'avaliser, d'accepter ou de refuser tout ce qui est règle de la langue française. Certains enseignants du système éducatif burkinabé estiment qu'une mise à niveau leur est nécessaire afin qu'ils soient à même d'appliquer de façon convenable les nouvelles réformes de l'Académie française. Nous sommes au courant de la réforme de la langue française, mais nous attendons qu'il y ait des rencontres pédagogiques avec nos encadreurs pour nous situer exactement quelles sont les graphies qui ont subi une évolution. On ne peut pas accepter certaines orthographes de certains mots, comme le cas du oignon, où l'élève écrit « oignon » à la place de « oignon ». Et pourtant, en parcourant les pages de certains dictionnaires récents, l'on se rend compte que les deux versions des mots concernés existent. Ce qui signifie qu'en principe, aucun élève ne doit être sanctionné parce qu'il a utilisé l'ancienne ou la nouvelle orthographe. En attendant que les enseignants s'y conforment, l'on constate que l'orthographe du mot « oignon » reste la bête noire de certains élèves. Car tel qu'il est écrit par cet élève, il n'est ni la nouvelle ni l'ancienne, mais tout simplement une faute d'orthographe. Adama Adrami lègue son premier djembé au patrimoine national. L'artiste musicien a remis le djembé qui date de 1969 au ministre de la Culture. Il doit être déposé au musée national pour les générations futures. Moussa Ouédraogo, Kadisanogo. À travers ce geste, le célèbre percussionniste et musicien de renommée internationale Adama Dramé remet son premier djembé au ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme au profit du musée national. Ce djembé qui date de 1969 est un concentré d'affection, d'amour, de reconnaissance, une partie de sa vie. Avec cet instrument de musique, il a porté très haut le flambeau du rayonnement culturel du Burkina pendant 50 ans. Après 50 ans de carrière dans le monde entier, cet acte pour moi est, comme l'a dit le ministre, c'est un acte de patriotisme. C'est parce que j'aime mon pays, j'aime ma culture, je suis fier de mon identité burkinabé et que cet instrument est une partie de moi-même. Et le remettre au ministre pour le musée national, pour moi, il n'y a pas mieux. Pour le ministre en charge de la culture, la remise de ce djembé est un moment historique. C'est un patrimoine culturel qu'il cède à la nation. Ce geste de Adama Dramé, c'est la forme la plus achevée du don de soi. C'est la manifestation la plus parfaite du don de soi.
c'est un sacrifice. Il a accepté, donné une partie de lui-même, une partie de sa vie, de son esprit, de son âme à la nation. C'est un acte symbolique, c'est un acte hautement patriotique qu'il faut saluer. Le directeur général du musée national a souligné qu'avec ce don au musée de son premier djembé, Adama Dramé devient immortel. Il va contribuer à enrichir le patrimoine national. Du spectacle chorégraphique ponctué de danse et de chant et de musique, il rend hommage à la jeunesse très engagée selon les organisateurs et parfois oubliée. Comme BBC est une initiative de la compagnie Irène Tassambedo que nous recevons juste après ce reportage, Nongba Kouda Abdoul Rasmane Zango. Musique, danse, chant, rythme, ce spectacle intitulé « Comme BBC ou jeunesse » à la grande satisfaction du public, mais aussi de la première dame du Burkina Faso. Vraiment, c'était très beau. Je ne m'attendais pas à ça et je suis agréablement surprise. Donc c'est l'occasion vraiment de féliciter Irène pour le travail accompli. C'est absolument fantastique, c'est une comédie musicale incroyable d'énergie, de jeunesse, de beauté, des costumes magnifiques. C'est une reconnaissance au mérite de la jeunesse, mais également une invite à l'écouter davantage. Le message principal, c'est de donner la parole à la jeunesse. Ces derniers temps, ils étaient au cœur de tous les événements. Et j'ai voulu monter ce spectacle-là pour eux, parce qu'ils ont une force inestimable et que trop souvent, on les oublie. Et je pense que c'est eux notre lendemain. Ce spectacle chorégraphique d'environ 1h40 est à découvrir ou à redécouvrir à travers une succession de différents tableaux, une harmonisation des gestes, une rivalité de talent, le tout dans un concept parfois éblouissant, parfois obscur et cadencé musicalement. Voilà, Irène Tassambedo, bonsoir. Bonsoir. Vous dites, vous êtes là pour donner la parole à la jeunesse, oui. Parfois oubliée. Et comment ça se passe avec ce genre de spectacle? Pour réussir à faire un spectacle de ce genre-là, il faut avoir des très très bons danseurs et des très très bons danseurs très jeunes, des musiciens, une équipe artistique hors pair pour se mettre à disposition de la chorégraphe que je suis. Sans eux, je ne peux pas faire ce spectacle-là. Je ferai un autre spectacle avec d'autres danseurs. Donc c'est vraiment, c'est eux le cœur de Comme BBC. Et ils avaient tous envie, ils avaient la rage, l'espoir, l'amour, la joie, ils avaient tout ça en eux. Donc ça n'a pas été très difficile de monter un spectacle avec une équipe pareille, parce que c'est leur histoire. Alors c'est leur histoire, mais très souvent, lorsqu'on vous suit, les non-initiés ne vous comprennent pas du tout, il n'y a pas de mots, il n'y a pas de lettres. Comment arriver justement à décrypter ce genre de spectacle? Je pense que dans les spectacles de danse, c'est pas nécessaire, c'est pas un spectacle de théâtre. C'est pas du cinéma, c'est un spectacle de danse, donc c'est le corps qui parle. Le corps qui parle, donc ça veut dire qu'il faut, on donne une émotion et le public reçoit cette émotion-là. Et les chansons sont là, mais par exemple, ceux qui ne parlent pas moré, il y a des chansons en moré, ceux qui ne le comprennent pas, il y avait quand même pas mal de gens qui ne comprennent pas nos langues, ils sont sortis de ce spectacle-là très heureux, même s'ils n'ont pas compris, ils ont reçu le message quand même de la joie, la rage, l'envie, l'énergie que dégage tout ça. Donc c'est pour ça que j'ai choisi la danse, pour parler moins et montrer plus. Alors donc, vous aviez des jeunes. Alors, est-ce que vous avez l'impression que ces jeunes passent plus à la danse aujourd'hui par rapport, par exemple, au sport ou à la musique? Je pense qu'il y a des jeunes qui s'intéressent au sport, d'autres à la danse, d'autres à la musique. Moi, j'ai ceux qui sont plus touchés par la danse, mais c'est pas que tous les jeunes veulent la danse. Il y a le sport, il y a la peinture, il y a la musique, il y a le théâtre, il y a plein d'autres choses. Il y a aussi des études de médecine et d'architecture, il y a plein d'autres possibilités. Mais là, en ce qui nous concerne par rapport à Comme BBC, c'est vraiment une jeunesse qui... Je les ai auditionnés parce que c'était déjà des danseurs.
les musiciens, parce que c'était déjà des musiciens tous professionnels. Donc c'est avec eux que je peux faire ce spectacle-là. Et le spectacle a été donc représenté dans le cadre du Festival international de danse de Ouagadougou, qui a regroupé 24 compagnies cette année, 4000 spectateurs. Et vous dites que c'est une circulation des créations. Comment concrètement? Ben, un festival, c'est de donner la possibilité à toutes les compagnies de pouvoir montrer leurs talents, leurs spectacles, et donner aussi la possibilité aux différents artistes de compagnies de se rencontrer et de faire naître des projets. C'est aussi l'opportunité que des professionnels les regardent et leur donnent une possibilité de les programmer ailleurs que chez nous. Et c'est aussi, c'est vraiment un brassage, c'est la rencontre, c'est le dialogue et c'est le partage de savoir. Ça, c'est pour moi, le festival, c'est ça. Et le festival, c'est pas juste une seule danse, c'est le festival de toutes les danses. La danse traditionnelle a sa place, la danse contemporaine a sa place, le hip-hop a sa place, toutes les danses ont leur place. Et il faut que tous les spectacles viennent à nous parce que c'est pas facile de voyager. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu créer ce festival-là, qui est à sa 4e édition. Et ça dans le cadre strictement du spectacle, ou bien il y a d'autres activités que vous menez à l'intérieur du festival? Alors, nous faisons des masterclass, nous donnons des formations dans la journée à l'école de danse. Aussi, on a des chorégraphes qui sont venus un peu de partout, qui donnent des formations aux jeunes danseurs qui sont là. C'est une occasion pour eux d'apprendre autre chose que ce que nous avons ici chez nous, pour enrichir leur vocabulaire. Et c'est pas que la danse, c'est vraiment la rencontre avec les professionnels qui sont venus à nous. Merci d'être venu nous voir. Je rappelle que nous recevions Irène Tassambedo, qui est l'organisatrice du Festival international de danse de Ouagadougou et surtout la créatrice du spectacle Combi BC. Vous restez avec nous pour la suite du journal. Merci. Les fidèles chrétiens de la ville de Ouagadougou au sanctuaire Notre-Dame de Yakma, ils sont allés accomplir le pèlerinage annuel, prière et louange ont ponctué la célébration dirigée par le cardinal Philippe Ouédraogo. Paul David Bambara, Estelle Judith Assoba. Le pèlerinage diocésain de Ouagadougou. Les fidèles chrétiens ont encore respecté le rituel, un rituel qui se tient dans un contexte particulier et le thème centré sur la miséricorde, la paix et la réconciliation nationale. Le peuple burkinabé a de quoi dire merci au Seigneur pour ce que nous avons vécu tout au long de l'année de la transition avec tous les événements que vous connaissez. En outre, nous n'oublions pas que nous sommes confrontés à des défis, notamment trois défis majeurs, la réconciliation, la cohésion sociale, la justice sociale et enfin la paix. Une paix véritable, une paix durable qui ne peut venir que de Dieu. C'est l'année de la miséricorde, le grand jubilé voulu par le pape François. Les fidèles ont au cours de cette célébration prié et demandé au Seigneur de leur permettre d'être miséricordieux. Nous souhaitons que partout nous soyons à l'image de Jésus-Christ. D'abord nous envers Dieu, nous envers le prochain, dans les familles, et en société. À ce rendez-vous de la foi, les fidèles chrétiens venus de divers horizons du diocèse de Ouagadougou ont bravé froid, vent, poussière et autres intempéries pour communier aux intentions du cardinal et de leur famille. Je suis là pour demander la paix pour le pays et pour tous les pays en quête de paix. Que le Seigneur fasse de nos familles de sainte famille. Les fidèles qui n'ont pas pu effectuer le déplacement pour raison de maladie ou à cause du poids de l'âge ont aussi reçu la bénédiction avec indulgence apostolique du cardinal Philippe Ouédraogo. Aujourd'hui c'est dimanche, nous parlons sport avec Mamadi Ouena, bonsoir. Bonsoir Simon. Aujourd'hui donc, il y a eu le championnat national de football avec la chute du leader, le RCK, le Rai Club de Kadiogo, qui allait tomber à Dédougou face au Bankui Sport. Oui, cette 11e journée qui a sonné le réveil des matchs classés et la sensation c'est la défaite évidemment du RCK, leader même de la saison, qui allait tomber devant Bankui Sport. Et nous allons solliciter les images pour voir dans quelles conditions Bankui a réussi à battre le RCK. Et vous voyez les images de ce match. Et le Bankui qui a profité d'une erreur de la défense mésentente entre le gardien de but et Rachid Koulibaly pour inscrire l'unique but de la partie. Et malgré des tentatives du RCK en seconde période,
le leader n'a pas réussi à revenir dans ce match parce que les conditions n'y étaient pas. Et là, nous allons arriver au match EFO-COSAF, l'unique match de Ouagadougou. Là, c'est le but de l'EFO. L'EFO qui marque le but à la première période. Et COSAF qui, en seconde période, va réussir à égaliser. Et un but partout entre ces deux formations et les autres résultats de ce championnat. L'USI qui avait une sanction de 3 matchs, 2 délocalisés à Kourougou et un match à huis clos, a réussi à gagner l'AS Sonabel 2-0 dans ce match à huis clos et prouve ainsi sa peine. Autre résultat, le RCB et le Santos font match nul, 2-2 à Bobo. L'ASFB bat Majestic 2-1. L'USCO et l'USO font match nul 0-0 à Banfora. L'AGEB et l'USFA aussi 0-0 également. Et le BPS qui bat l'ASFA Yeninga 2-0. 14 buts ont été marqués en cette 11e journée. Et malgré la défaite, le RCK reste leader avec 21 points, suivi du RCB 18 points. Et l'USO est 3e avec 18 points également. Le bas du tableau, on parlera des relégables, c'est Majestic 15e avec 7 points. Et Bankou Sport 16e et dernier avec 6 points. Et plus rapidement, la finale de Chan qui a été jouée ce soir avec la victoire du Congo. Oui, la RD Congo qui bat le Mali cet après-midi au stade Amaoro de Kigali en finale du 4e championnat d'Afrique des Nations. Il faut dire que les Congolais succèdent ainsi à la Libye et cette formation de la RD Congo est couronnée pour la 2e fois. Et après le sacre de 2009 en Côte d'Ivoire, c'était lors de la première édition. On avait vu les Kidaba là-bas et cette fois-ci, c'est un autre groupe. Et ça montre que le tout puissant Mazembe et l'ASV ne sont pas compétitifs sur le plan africain par hasard. Alors, donc il y a du travail qui se fait là-bas. Merci Mamadi Wena. C'est la fin aussi de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Toute l'équipe technique s'est joint à moi. Pour vous dire merci de nous avoir suivis tout au long de cette semaine, Peggy Widraogo vous retrouve demain pour le 20h.